et bienvenue sur cet épisode 51 sur Fallout 4, toujours en la compagnie de Piper. J'espère donc que l'épisode 50 vous aura plu. Nous, de notre côté, on va continuer. Mais je ne sais pas. Bref, je disais, oui, on va continuer. On va faire un tas de choses, notamment... Alors, vous avez vu que j'ai des niveaux à gagner, donc ça serait assez intéressant à faire. Voilà, donc voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire de notre vie? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Fusil non-automatique inflige 60% de dégâts supplémentaires, ignore 20% de l'armure de la cible, ce serait assez violent, je l'avoue. Est-ce que je peux pas booster d'autres trucs des fois que... La furtivité, ça sera pas possible avant le niveau 38. Par contre, les armes... manière furtive. Oh, ça serait cool, ça. Fanat d'armes, malheureusement, ce n'est pas encore possible non plus. Ça, c'est pas possible avant le niveau 41. C'est quand même violent. On vous échappe. Ah, ça pourrait être cool, ça. Allez, je prends ça. Alors, on avait pris, j'avais pris Amphibie, je vous l'avais pas montré, hein, mais j'avais pris Amphibie. Maintenant, je deviens totalement indétectable lorsque je suis sous l'eau. Alors, c'est vraiment situationnel, ça. Hein. C'est pas hyper polyvalent. Ça, ça nécessite plus de force. Charge maximale augmente de 25, ça serait violent. Ce serait même excellent, même. Ça, c'est quoi? Rage de nerd. X rebelle, hein, ralenti, résistance de gamin, hein, 20% de dégâts supplémentaires, oui et non. Distance de corps à corps augmente conscience. En mode, non, on s'en fout ça. Trèfle à 4 feuilles, santé en veine, vous avez raison, les attaques réussiront, non. Attaque à distance d'un ennemi reviendra parfois sur lui et le tuera instantanément. Proche de la mort, plus les chances sont élevées. Ouais, c'est très situationnel aussi, et puis faut vraiment être spécialisé là-dedans, quoi. Qui est le patron? Vous pouvez tenter de pacifier un adversaire humain d'un niveau inférieur au vôtre en pointant votre arme sur lui. Oh! Ouais, mais comme nous, on est plutôt sniper, j'ai envie de dire, hein, ça va être... D'ailleurs, je peux pointer mon arme sur lui, mais si je suis à 8 km, il y a un moment où il va pas trop me voir, on est d'accord. N'oubliez pas la crème solaire. Entre 6h et 18h, ok. Tir groupé, appuyez là où ça fait mal. En mode SV, non, c'est nul. Sniper, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Haha. Vous tremblez moins et pouvez retenir votre souffle plus longtemps quand vous visez avec une lunette. J'ai envie de dire oui. Donc ça marche. Et le dernier point, où est-ce qu'on pourrait le mettre? Squelette adamantin. Squelette a été renforcé par un alliage en métal, nanana. Moi, il faut plus d'endurance pour ça. Votre père est très vitrier, les rayons rebondissent sur vous, votre résistance à l'énergie augmente de 10. Ouais. Ninja! Ninja! Tel un tueur de l'ombre post-apocalyptique, vos attaques furtives à distance infligent deux fois. Furtive à distance, 2,5 fois plus de dégâts, 4 fois plus au corps à corps. Ouais. Conditions non remplies. What? Quoi, bah il me reste bien un... Ah non, il me faut plus d'agilité pour ça. Ok. Ok, je suppose que ça peut se faire. Et donc moi j'avais dans l'idée de continuer certaines quêtes et notamment écouter la radio de l'agence de détective Valentine. J'ai reçu un message radio blablabla.
L'agence de détective la Valentine. Jenkins de l'agence de détective Valentine. Ceci est un message à l'attention du partenaire de Nick. On a une nouvelle affaire, ça a l'air urgent. Tu peux passer au bureau? Je t'attends. Ça marche. Je passe en mode répétition. Bip. Ellie Perkins. Ça marche, ça marche. On va faire ça. Ok. Alors j'emmène pas mon armure assistée. Hein, il y a un moment où voilà, je vais un petit peu économiser. J'espère que vous m'en voudrez pas. On va aller se rendre à Diamond City. On a très certainement besoin de nous. Bon, là, je suppose que j'ai pas trop besoin de me mettre en furtivité. Hein. Je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de bestioles qui veulent ma peau par ici. On a suffisamment fait le ménage, j'ai envie de dire. Et du coup, ouais, c'est un peu la pampa, mais un peu la pampa déserte, quoi. Il n'y a plus rien par ici. Moi, ça me va, hein. Franchement, si on peut faire des petits, des petites randonnées comme ça, pédestres, sans qu'on vienne nous embêter, moi, je vote pour, hein. Donc, comme vous l'avez vu à l'épisode 50 sur Fallout 4, bien évidemment... Je ne peux pas donner une autre arme à Piper à condition de lui donner... sauf si je lui donne suffisamment de munitions pour qu'elle puisse tirer avec. Si vous avez vu ça sur d'autres let's play, ça doit provenir d'un mod. Et moi je ne l'ai pas. Et je trouve ça d'ailleurs plus réaliste. Je trouve ça d'ailleurs plus intéressant de pouvoir... de donner une arme à Piper, mais faut lui donner les munitions qui vont avec. Hein. Bon, vous me direz, là, elle a bien une arme avec laquelle elle tire et avec munitions illimitées, mais c'est pas pareil. Ah, ça fait pas les mêmes dégâts, quoi. Ah, c'est vrai qu'on avait laissé ce petit pointeur, là, pour dire, ici, il y a quelque chose. Vous savez, ces fameux égouts qu'on a visités à l'épisode précédent. Enfin, ces égouts, cette espèce de bouche d'égout qu'on a visité. C'est encore loin, ça doit être loin, je pense. On va essayer de courir un peu. En fait, c'est assez loin, hein, Diamond City, hein, quand on y pense. Attendez une seconde. Voilà pourquoi j'aime pas faire des voyages rapides. On loupe des choses. Non, bah bon, enfin, des fois. Pas toujours. Et là-dedans, il n'y a rien. Hein, c'est moi où le temps se gâte, hein. J'espère qu'on va pas se prendre un orage radioactif sur la gueule. En revanche, alors, j'ai vu quelque chose qui pourrait être cool, c'est que, eh bien, dans mon inventaire, j'ai conservé les fameuses... les fameuses combinaisons étanches. Donc dorénavant, nous serons plus protégés contre les radiations si jamais on se prend un orage nucléaire sur la gueule ou ce genre de choses. Hein. Je suppose que je n'ai pas encore tout découvert en termes de dangerosité de cet environnement. Bon, après, ça va venir. Hein, je veux dire, il y a un moment, vous avez vu quand même que j'ai pris quelques levels, hein. On n'est plus des débutants. Il y aura carrément moyen de faire le café avec des armes complètement, complètement badass. Allez, signal radio inintelligible. Ok, si vous voulez. Ça ne m'intéresse pas, à vrai dire. En tout cas, pas pour le moment. Je suppose qu'on retombera dessus. Vous en faites pas. Pas parce que là, à l'heure actuelle, je fais pas exactement ce que le jeu me prévoit que je veux... voilà, qu'il a envie que je fasse, que on va jamais le faire. Ah.
déjà passé par là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Non, non, mais ça va, nickel. Alors, Diamond City se trouve par là-bas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on traverse le pont? Je crois qu'il n'y a pas moyen de le traverser, d'ailleurs, ce pont. Si je dis pas de conneries. Ou peut-être que si, je raconte de la merde. Bon, je raconte de la merde. Faites pas attention. Par contre, je vais me planquer. Parce que j'ai pas des masses envie, en fait, de marcher sur une mine malencontreusement. Et de me faire sauter. Sachant qu'on n'enregistre pas des masses non plus. Ah, mais attendez. Ce doit être le premier pont sur lequel on est passé, vous vous souvenez, avec ces bateaux-là. Hey, peut-être que les pillards sont de retour. Eh oh! Oui, ils sont de retour, nickel! Bon alors, attendez. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ça, ça devrait faire l'affaire. Comment ça a pu se produire? J'arrête pas de leur dire qu'on commence à manquer. Faut prendre plus de risques. Salut, monsieur le psychopathe. Mince, vous êtes nombreux, vous? Plus pour longtemps. Comment ça, ils sont nombreux? Mais non, ils sont pas nombreux. Ils sont un. Aïe. Fuck. Ah si, ils étaient un peu plus nombreux. Fuck. Tiens! Tu vas t'en mordre les doigts. Youh, le v'là. Salut! Ah bah tu ferais mieux de te. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu ferais mieux peut-être de t'échapper là parce que vu la balle que tu viens de te prendre. Elle ne sera plus utile de toute façon. Anyway. Bon bah ils étaient de retour. Bah lui il avait même pas d'armes. J'ai exécuté un mec sans arme. Munition, gna gna gna. S plus lunettes. Ouais. Non bah très bien. Très bien. Ça marche. En tout cas, c'est réglé. Là-dedans, il y a toujours rien. Hein. Je crois que voilà, c'était ça l'idée. Je pense qu'on est plus très loin de Diamond City, justement, en parlant de ça. Oh, je prends, on verra bien. Au pire des cas, ça servira à j'en sais rien. À vrai dire, ça continue de tirer. Hein. Demande qui c'est qui est en train de tirer. Alors ça doit être un allié. Ouais. Et ils sont revenus. Hein? On a de la compagnie. Je vous vois. Je me demande si tous les journalistes font ça. Avouez que c'était magnifique. Et voilà! Ça va, vieux? Ah, je prends. Et ça aussi. Ok, bon. Ceci étant réglé, j'aimerais récupérer leurs armes et leurs munitions. Est-ce qu'il y a moyen? Il y a l'air. Y avoir moyen. Salut.
La viande de fangeux, s'il te plaît, hein, me... voilà. On... Non. Très clairement, non. Il y avait un mec là, non? Il est tombé? Il est mort? Ah, là. Oh! Capsule, munitions. Non, ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse. Ah, le mec avait des... Oh, bien, intéressant. Et le dernier, je sais plus où il était. On va dire que c'est pas grave. Je pense, hein. Je pense qu'on peut dire ça. Bon, je peux pas ouvrir ce truc. Est-ce que je peux passer? Non. Je suis trop gros. Je devrais faire un régime. Ah bah le v'là. Bah nickel. Ah bah il y a plein de trucs dans le coin. Fusée éclairante, je prends, cartouche de cigarette. La cafetière, il y a de l'amiante. Je sais pas vraiment à quoi ça va servir, mais soit. Ok. Bon, on n'est plus très loin. J'ai fait le ménage. Public occurrence. Ok. Qui m'a dit ça? Y'a quoi dans la benne à ordures? Tournevis, c'est un bécher, ça ne m'intéresse pas en fait. Allez, en avant. Droit vers Diamond City. Bon, on va aller voir ce que Nick nous veut. Ah, j'ai pas le droit de voler dans la poubelle. Surveillez vos arrières. Si ça se trouve, l'institut est juste derrière vous. Ok. Alors, il est où Nick? Putain, ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu à Diamond City, hein. Enfin, longtemps. Je me comprends, mais ça fait quelques... Hey. Voilà, quelques épisodes. Merci d'avoir changé mon entrée. Je ne sais pas pourquoi on laisse Valentine vivre. On a voyagé ensemble une éternité. Désolé, la partie est terminée. Takahashi m'a tout raconté, tous vos petits mensonges. Je parie que vous m'avez même pas donné votre vrai nom, hein? Que... Vous voulez resplendir comme jamais? Nous faisons toutes les coupes de cheveux du Commonwealth. Ma folie est contagieuse. Piper est en mode ouh, ok. Salut. Bon, allez, zou. Ah, je peux prendre ce ventilateur? Ok. Le truc n'est vraiment pas de la première jeunesse. Excellent. Zelda Invaders. Non, Zeta Invaders. Ah, ok. Marche. Dossier Marty Multi. Consulter les dossiers d'enquête. Quoi? Eh, je prends ça. Mais il est où, Nick, du coup? Eh oh! Eh oh! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah, bah voilà! Ellie? Contente de vous revoir. On a reçu une nouvelle affaire pendant que vous étiez absent, Nick et vous. Vous avez toujours votre chapeau de détective. J'ai toujours mon chapeau, j'ai toujours la classe.
Et j'ai toujours l'amour du risque. Malheureusement, on n'a pas grand-chose d'autre à offrir que de bonnes vieilles capsules. Bref, le client est un pêcheur qui vit sur la côte en bordure du Commonwealth. Kenji Nakano. Oh. Kenji Nakano n'a pas donné beaucoup de détails. Il a dit qu'il vous expliquerait tout sur place. Mais si vous voulez mon avis, c'est une affaire de personnes disparues. Ce type avait l'air inquiet du début à la fin. Ok, ben je m'y mets. Je vais mener mon enquête. Merci, Ellie. Les Nakano vivent au nord-est, près de la côte, dans une petite maison de pêcheurs. Il a dit qu'il vous attendrait là-bas avec sa femme. Ça marche. Et je peux les ramasser, ces trucs-là? Mais oui, mais c'est bien, ça. Costume gris propre. Je prends. Munitions, épingle à cheveux, tête millimètre, costume noir propre. Oh. Voilà. Cependant, je ne peux pas dormir dans le lit de... Ça doit être celui de Nick, ou peut-être celui d'Eli, qui sait. Bref, sortons d'ici. Nous allons donc devoir nous rendre chez un petit pêcheur. Je vais passer par là. Les dernières nouvelles du Commonwealth. Attends, il y avait un truc qui me disait, il me faut... Quand vous lirez notre prochain numéro, vous en croirez pas vos yeux. Attendez de voir. Salut, Nat. Hé, monsieur. L'interview que vous avez donnée à Piper se vend vraiment bien. Tenez, voilà votre exemplaire gratuit. Cool. On va falloir lire tout ça. Waouh, il y a énormément de choses à faire. Hein. Je vais noter ça sur un papier, je crois. Bref, allons-y. Bon. Ça a l'air de se trouver assez loin, cependant, cette histoire de pêcheur. Ah. Bon, on va faire un petit bout de route ensemble, puis on va se quitter, puisque vous savez quand même que, bon, bah, y a un moment donné où faut pas que les épisodes durent trop longtemps non plus. Hein. Parce que sinon, mes épisodes spéciaux ne seraient plus des épisodes spéciaux. Enfin, des épisodes spéciaux. Oh là là. Apprends à parler français, voyons. Je peux passer par là? Non. Et par ici. Ça a l'air d'être possible. Je ferais mieux de m'équiper d'une arme... J'ai 140 balles, ça va pas chier loin, malheureusement. Non, là j'ai 272, c'est mieux. Voilà, 475. On est très bien avec cette arme. On est très bien. C'est l'arme qu'il nous faut. Ah, bah tiens. Je te tiens. Faites bien votre boulot, les gars. Allez, à plus. Ça ne me regarde pas, ce qui se passe ici. Ah, mais on est déjà passé par ici. Ça me dit quelque chose. Bon, c'est quand même le bordel, hein. Ouais. Porte enchaînée. Bon bah, on pourra pas passer. C'est dommage. J'entends un vertiptère. Alors oui, il y a eu très certainement pas mal de mises à jour puisque les vertiptères ont tendance à moins faire ramer les jeux comme c'est pas permis. En tout cas chez moi. Regardez, le voilà et pas trop de baisse de FPS. C'est cool, hein. C'est cool. Danger. Common head. Keep out. En gros, ces messages, ça dit faites gaffe à votre cul. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo avec vos amis, votre famille et qui sais-je encore. Plein de gros bisous et surtout hashtag amour viril. Hell yeah.